Cette vidéo est sponsorisée par la Z Foundation. Yo la famille, est-ce que vous voyez les billets qui flashent? Parce que la question d'aujourd'hui, c'est tellement compliqué. Alors nous sommes à 13 villes aujourd'hui, parce qu'ici on dit ils sont beaucoup intelligents. Question de culture. Avant de commencer, je vais dire merci à la Z Foundation parce que grâce à eux, on apprend beaucoup de choses. Je vais le dire tous les jours. Alors, saison en anglais qui veut dire season. Season qui s'écrit avec S-E-A-S-O-N. Pourquoi season s'écrit à la fin A-S-O-N? Aujourd'hui, on va savoir le pourquoi. Donc, il y a 50 000 francs en jeu. On y va. Question de culture, ça là, c'est pas pour les enfants et... Ah, donc en commentaire, n'oublie pas de laisser ce que tu penses en commentaire. Les 50 000 francs, peut-être que tu auras ça par 1454, qui sait. Saison, saison, c'est un mot. En anglais, ça veut dire season. Season qui s'écrit S-E-A-S-O-N. Donc pourquoi season s'écrit avec A-S-O-N à la fin? Bon, ça, je ne sais pas. Tu voulais pas mon argent? Bye bye. En anglais, là. Tu me demandes pourquoi ils ont mis O. Pourquoi ils ont mis A, S, O, N à la fin? Il est arrivé. Pourquoi? Cette question, là. On va laisser copine, hein? Pourquoi ils ont mis 6 ans à la fin? Aïe, aïe, aïe. S, O, N à la fin. A, S, O, N. A. A, tu vois. Ah, ils ont mis A. A, son. Non. Typique pas. Alors, pour savoir la réponse, tu regardes la vidéo. Insta vidéo, je t'as sur YouTube, tu auras la réponse. On sait que c'est 4 000 francs en jeu. La question, c'est de savoir, tu connais le mot saison? Saison, saison qui veut dire season en anglais. Season, là. Voilà. Non, viens, viens, voilà. Qui veut dire season en anglais? Season en anglais, à la fin, il y a A-S-O-N à la fin. Donc, pourquoi A-S-O-N à la fin de season? Tu peux répéter, je sais pas, tu peux m'expliquer quoi. Mais la prononciation est différente, non? Je crois que c'est pour ça. Je crois que la parce en français c'est différent. Tu n'as encore rien dit. Je dis, on lit ça comme ça parce que c'est pas la même langue en fait, la prononciation est différente. Il n'a pas trouvé. Non, je vois pas. Non, moi, si elle fait les études, il peut comprendre, mais il n'est pas fréquenté, donc dommage pour... Et donc, on a compris. Alors, vous vous demandez pourquoi est-ce que les questions sont un tout petit peu compliquées. Raison de plus d'aller sur les différences de la Z Foundation. Pour apprendre plus, c'est pas aussi compliqué que ça. C'est pas aussi compliqué que ça. Il suffit juste d'être attentif. Mais il faut aussi connaître les choses. Donc pour connaître, pour savoir, va sur les différences de la Z Foundation. Tu en sauras plus. On y va. Saison qui est un mot français qui s'est dit season en anglais. Pourquoi est-ce que... Attends, j'ai appelé d'abord season. Season qui s'écrit S-E-A-S-O-N. Pourquoi A-S-O-N à la fin? Ça, je sais pas. Hein. Je sais même pas. Ah, mais tu tombes quoi? Pourquoi? Pourquoi? Tu as baissé en anglais? C'est pas ça. Pourquoi à la fin de season, il y a A-S-O-N à la fin? Pourquoi à la fin de... Season, qui est là, il y a A-S-O-N à la fin. Pourquoi? Attends, Hugo, on va saison, là, c'est un mot français. En anglais, là, ça veut dire season. Maintenant, season, là, non, ça s'écrit avec S-E-A-S-O-N. Tu vois, non? Maintenant, à la fin de ces mots-là, pourquoi il y a A-S-O-N à la fin? Pourquoi?
plus anglais. Parce que c'est un mot anglais. Oh, je n'en saurais quoi dire, mais c'est que c'est la saison. Saison. Là, c'est la saison qui donne de l'argent. Depuis que j'ai commencé l'émission, personne ne veut prendre mon argent. La Z Fondation, vous êtes efficace. Mais c'est vrai qu'ils sont efficaces, hein. Mais pour en savoir plus, pour connaître beaucoup de choses, partez sur les différents sites. Et merci encore à la Z Fondation pour tout ce qu'ils font pour nous, etc., etc., etc. Bientôt, ils vont nous demander, etc., là, vous avez dit quoi? Tout simplement ça. En fait, la question était simple pour avoir les 50 000 francs. Ah, Z Fondation, vous êtes magnifique. Alors, la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Abonnez-vous, 500 000 abonnés, bientôt même 1 million d'abonnés. Voilà!